sa chevelure couleur scholtaise. Et backdoor, Boris Dalot. Il est largement supérieur à Nick Sacco. Attention. Alors, avec Nick Sacco, attention à ne pas faire faute. Voilà. Allez, quadrille. On est de retour sur... Ils font toujours la course en tête face à ces Scholtais qui ont malgré tout des ressources pour opérer une remontada. Avec cette faute, ils avaient réussi à limiter ça, les Rouennais, dans ce match. Et là, c'est... Voilà, le petit jeu, là. Stephen Brown qui se faufile, qui perd ce ballon. Et attention, la contre-attaque. Oh, Boris Dalot. Un contre un. Steven Thompson qui répond au centimètre près, alors que là, ne réussissent pas, mais on apprécie le mouvement de ballon des Scholtais. Ils utilisent avec parcimonie le dribble et Artis. Grande montée en gamme pour lui. Dylan Afomama qui pensait avoir fait la bonne passe. J'ai envie de vous dire, elle était bien pensée. Et Artis. Le N1, Stephen Brown. Oh, le ballon qui se joue de ses émotions. Artis, une prière, lancé en l'air. Oh, la, 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 la prière de Dominique Artis. Hey, le N1. Dijon s'est remis un petit peu la tête à l'endroit. Et cette fois-ci, Dominique Artis. Jacques Alinguier préférerait ne pas être dans la pénalité. Ce ballon qui est perdu, 3 contre 1. Et le repli défensif de David Holston, courageux mais impuissant. Kevin Rovat qui travaille. Mais la passe mal ajustée, nouveau ballon perdu. Et l'exécution avec la faute. Le N1, la finition, Dominique Artis. Le renversement, l'extra passe et on continue. Mais Rovat qui se voit subtiliser le ballon. Trop nonchalant, la petite passe aveugle et la finition de Dominique Artis. Qui ne lâchera rien. Et cette finition, le hang time, il reste dans les airs pendant 10 minutes. Pour le CB, Kikim Tilly rôdait par là. Et la bonne petite passe. Et le N1, Dominique Artis. Dominique Artis, Dominique Artis. Au-dessus de Jonathan Roussel. Curtis qui prend la ligne de fond, qui provoque la faute. Et Robineau qui aurait pu terminer avec un petit lay-up inversé. Il préfère temporiser, aucune raison de se précipiter. Si c'est encore pour avoir une opportunité de tir ouvert dans le corner à 3 points juste derrière. Il en met trop, Benja sur la planche et ça donne un rebond et une relance pour les Scholtais. Encore une fois, la course, il a glissé. Justin James. Ouais, ça glisse. Aaron Henry, c'est tout poussé. À fait. Avec ces trucs au sol, là, Aaron Henry, en effet, c'est fait mal. Et on notera évidemment l'absence de Hawkins, les débuts dans le 5 de départ de Lucas Hugolin, côté Limougeot. Et le premier panier à 3 points pour Scholler, après l'échec de Dalot tout à l'heure. Retrouve son capitaine Boris Dalot. C'est manqué, le rebond pour Perry Ellis. Avec la deuxième chance pour Artis, le step back de Artis qui a réussi à se défaire du marquage de Nicolas Lang. Parce que là, c'était encore une fois très bien joué avec Desi Rodriguez servi sous le cercle. Et le tir à 3 points d'Artis qui retrouve de l'adresse, je vous le disais. La passe de Boris Dalot pour Goudou Sina tout seul dans le corner. Oh là là, oui. Claquette de d'un coup. Marquis McDuffie. Ah, l'intelligence David Holston qui vole le ballon tranquillement. Il y avait un aller ou pas faire, il a préféré repasser tranquille. Yes. Pas vraiment réussite à 3 points Wemby sur ce match-là. La passe vers Kamagaté, c'est compliqué là. C'est très complexe. Ça a donné surtout une contre-attaque. Artis pour le aller-oup. Et c'est finit tranquillement.